Mesdames, messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour votre journal Météo-Climat. Nous sommes toujours sous l'influence de cette dépression qui était positionnée en direction de la Manche, qui s'est décalée vers l'est du pays, nous apportant de bonnes pluies salvatrices sur une grande partie du pays. Alors, ces dernières heures, on avait encore des averses nombreuses, des Hauts-de-France jusqu'au centre-est. D'ailleurs, au cours de l'après-midi, on attend encore une trentaine de millimètres dans le centre-est, une trentaine de centimètres de neige également vers les Alpes du Nord. On retrouvera beaucoup de grisailles tout de même sur le pays. Retour des éclaircies sur l'ouest ou encore autour du golfe du Lion avec le vent qui va souffler jusqu'à 90 km/h. On attend également quelques averses localement orageuses sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur ou encore vers la Corse. Les températures, on gagne localement 1 ou 2 degrés. On aura 14 degrés dans la capitale cet après-midi, 16 degrés du côté de Strasbourg. Il fera un petit peu plus frais sous la perturbation dans le centre-est avec seulement 9 degrés à Grenoble et jusqu'à 19 degrés à Montpellier. Pour la suite, encore ces pluies localement soutenues du massif central jusqu'à l'est pour votre soirée. Des averses qui vont s'estomper petit à petit sur le reste de la France. Toujours beaucoup de vent autour de la Méditerranée jusqu'à 100 km/h. Au cours de la matinée, on aura de la grisaille, de moins en moins de pluie, des averses essentiellement dans l'est, de la neige sur les reliefs, le soleil qui domine dans le sud, un ciel laiteux notamment dans le nord-ouest descendant jusqu'au massif central. Le soleil qui domine donc autour de la Méditerranée avec le vent qui va encore souffler jusqu'à 90 km/h. Les températures en matinée, il fera encore froid localement sur une grande moitié nord de la France. On ira jusqu'à 12 degrés à Perpignan. Et dans l'après-midi, on revient donc dans des valeurs de saison, excepté dans le centre-est ou encore dans le Grand Est. 9 degrés à Besançon, c'est la minimale. 15 degrés à Paris, 17 degrés à Rennes, 18 à Bordeaux et jusqu'à 22 à Nîmes. Pour la suite, nous allons donc passer au-dessus des normales de saison à partir de mercredi et surtout jeudi dans un flux de secteur sud qui se met en place avec un temps anticyclonique qui nous attend. Donc beaucoup de grisailles tout de même en cette période de l'année. Lundi, on retrouvera encore quelques averses dans l'est. Le soleil qui domine dans le sud ou encore sur l'ouest. Une moyenne de 14 degrés sur la moitié nord, 17 dans le sud de la France. Mardi, mercredi, c'est la même configuration. Toujours ces nuages qui vont bourgeonner dans l'après-midi, donnant quelques coups de tonnerre pour les journées de jeudi et de vendredi, essentiellement dans l'est, avec une hausse des températures qui se confirme. Si vous avez des questions sur le climat, n'hésitez pas à scanner ce QR code. On vous répond tout de suite le journal.